Amis du jour, bonjour et bienvenue sur l'Anomor TV. Vous êtes en compagnie de Sparta et de notre cher compère Talion. Et aujourd'hui, on a terminé ces derniers jours l'arc de Karnan, l'arc de Booz, et aujourd'hui je vous propose d'essayer de terminer l'arc de Zog. Zog, si vous n'avez pas trop suivi, c'est un nécro qui donc ramène les morts à la vie et qui a envie de ramener un Balrog à la vie. Et autant vous dire, c'est pas quelque chose qui s'envisage, parce que si réellement ce coup-ci il le ramène à la vie, on peut imaginer qu'il va arriver à le dominer. Et un orc qui domine un Balrog, non, 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 même pas en rêve. Même pas en rêve, les gars. Donc c'est là où on a foutu le Balrog sur la glace. Alors ne perdons pas de temps. Et en effet, ils sont sur le lac glacé en train d'essayer de le ramener. Alors normalement, je pense qu'il va falloir faire péter les totems. 47. Mais pas pour Sauron. Il se battra dans mon armée. Une légion de morts, aussi forte qu'une armée du Mordor. Putain, il a de l'ambition cet orc. L'orc, il veut faire une armée qui dépasse celle de Sauron. Le mec, c'est l'orc pour moi le plus badass que j'ai vu. Je m'en branle de Sauron. Il est fou. Oui, pour ceux qui diraient, Sparta, tu parles en même temps. Eh ben oui, je fais ce que je veux, cette vidéo. Alors, j'anticipe les commentaires. On peut péter le totem. Ouais. Edin. Ah ouais, lui, il est anti-saut. Ah ouais, il est comme ça, le mec. Ah, le mec, il est comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut en prendre possession, hormis ce régène? Est-ce qu'il est avec nous? Je vois pas bien, là il y en a trop. Est-ce que là, si on arrive à le purifier rapidement? Ouais, on y est arrivé, c'est pas grave, on se prend un petit coup. C'est easy doudou. Oh, oh là, oh là, oh là. C'est le Balrog qui fait des geysers d'eau là. Alors, objectivement, il n'est pas hyper frais. C'est bon, on est soigné. Il y a beaucoup de monde, hein. On est d'accord, hein. Ouais. On va faire un truc. Si on s'était pas pris ces cons de geysers, là, la mort en pâle nœud, on l'aurait déjà purifié, lui. Et de 3. Aïe. En fait c'est bien parce qu'il reste en vie. Donc en fait vous faites un gauche droite parce que les morts vivants, les squelettes, les zombies, ben, ils ont quand même un énorme avantage dans tous les jeux. C'est qu'ils avancent très lentement. Et oui. Et voilà. Il y en a beaucoup moins. Ah merde. J'avais pas vu que j'avais quasiment plus de vie. Hop, mais c'est pas grave. Parce qu'on est badass. Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Fais chier, toi. Oula. Oula, mais... tu serais pas un peu chiant, en fait? Bon, allez, là, on a plus le droit à l'erreur. C'est là où on voit les vrais. J'allais donner la vie après la mort. Tu as tout gâché. Mon chef-d'œuvre réduit à néant. À cause de toi! Prépare-toi à mourir, immortel! Ah oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois ce détail. Tu perds le goût de la vie, c'est futile! Tu es partout! En fait, il va être chiant là. Ah là il va me tuer par contre. Non, j'ai merdé. Ouais, je sais, c'est bon, va pas me faire la morale. J'ai déconné, j'ai compris. Bon. Je
allez donner la vie après la mort. Ouais, t'as donné la vie après la mort, tout ça, on connaît. Si, la famille, huche. Mais j'ai pas envie. Alors d'abord, c'est con de dire prépare-toi à mourir immortel. Techniquement parlant, c'est quand même con. On va modifier notre arme. On va l'enflammer. Voilà, enflamme les ennemis. Non mais non. Bon, il y a de l'abus là. Bon, c'est pas grave, un peu de challenge. Il est chiant. Bon, on a failli se le prendre, donc là le but. Là pareil, on a failli se le reprendre. Là, le but, c'est de farmer. C'est futile. Ça, c'est très bien, on l'a enflammé. Et ça nous permet de l'embrocher. Attention à la QTE. Tu as réussi. Tu m'as tué. Mais je vais te dire un secret. Ouais. Les nécromanciens ne meurent jamais vraiment. T'es sûr? Si je t'arrache la tête. Ou si je te transperce le cœur. Moi je couperai la tête. Bon, le bras d'abord. Voilà. Sans bras, déjà pour les rituels, c'est plus chiant, hein. Ouais. Je crois qu'on a réussi. Alors, le sacrifice de Karnan n'a pas été vain. Bon. On y est arrivé. Je dois vous avouer qu'il était plus chiant que je ne pensais. En fait, je m'attendais à ce que ça soit easy to do. Et en fait, pas tellement. Déverrouiller champ de Drake. Activer cette amélioration d'aptitude vous permet d'appeler un Drake en appuyant 1. Wow. Putain, il y en a, c'est... Ils voient des aigles arriver. Les aigles sont arrivés. Et nous, c'est plutôt... Les Drakes sont arrivés. Wow. Oula, là-bas, il y a de la baston, quoi. On est d'accord qu'on a terminé l'arc. Donc, l'arc de Zog est terminé. Mais je vous sens un peu sur votre faim. Là, vous dites, oh, dis donc, ça allait un peu vite. Est-ce qu'on ferait pas la dernière défense? On pourrait faire la dernière défense. Parce que franchement, ça le vaut. Allez, on va aller faire la dernière défense. Parce que bah, je suis comme ça, c'est cadeau. Allez, on va la faire. On va faire la fin de l'arc de Zog dans cette vidéo. Et la forteresse. Bien, on va se lancer dans la défense de la forteresse. Donc, est-ce qu'on a des amis ou pas? Une amélioration de chef, je crois qu'il y en ait 4. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un chef de guerre? Putain, c'est des niveaux 23. Are you serious, boys? Et ben voilà. Et ben on est bien. Voilà, c'est parfait. On va y aller. 4v7 ou 8. 20 niveaux d'écart pour la plupart. Easy. Je vous l'annonce. Easy la défense. Comme vous l'avez vu par le passé, on défend en première ligne. Amour des esclaves. Ah oui. Lui c'est pas un bavard.
Ah putain! Protégez les murs! Ils veulent tout faire péter! Oh là là! Oh là là! Wow! 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 C'est le bordel! Je fais ce que je peux! Putain, il y a niveau 38 là-bas! J'ai vu un capitaine se barrer! Quoi? Il s'est fait one shot! Il s'est fait one shot, le noob! Oh, le nul! Nulos! Wow, 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 wow! Attendez, mais j'en ai rien à foutre de vous! Cassez-vous, je veux aller tuer vos chefs! C'est vos chefs qui m'intéressent! Salut! J'espère que t'as pas pris tes quartiers! Parce que je récupère ce fort! Je sais pas faire des prisonniers! Mais je sais bien mutiler des cadavres! Tout le monde saura qui a fait ça au Targ! Assez perdu de temps! Tu me relèves! Y'a pas beaucoup de monde là tout d'un coup là? Ah oui! Non mais attendez, j'ai pas de PV là ou quoi? Parce que là. Non mais attendez, 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 on se calme. Mais en fait, il y a beaucoup de monde là. Je vais quand même pas crever là. Alors, j'annonce, je suis dans la merde. Vu que je vais devenir le chef de guerre, je m'assurerai qu'il soit plus solide. Ben nous venons de perdre une forteresse. C'était beau. C'était inattendu. Reprendre votre forteresse. Les forces de Sauron se sont emparées de votre forteresse, assemblé votre groupe d'attaque pour la reprendre. Mais en même temps, j'avais des nullos avec moi. Non, t'as été nul, Sparta. Bon, d'accord. C'est pas bon. Bon, et ben vous savez quoi? On va faire un massacre. Je vous l'annonce, on va faire un massacre. On va faire un bon gros massacre des faibles. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va viser la zone. On va aller faire au moins une quête. Et on va convertir au moins un chef de guerre ou deux. Je l'annonce. Parce que j'étais trop faible en niveau. Oui, c'est vrai. Je me cherche des excuses. Certaines sont vraies, d'autres le sont pas. Ok. Mais... Oh là là, je suis blasé. Oh, je me suis fait la télé. Ça, vous voyez, c'est un bon soldat. Un bon niveau 40, machine. Ça, c'est une future bonne recrue. Regardez, il y a de plus en plus de morts vivants. Comment se faire plein de morts vivants? Ben, attendre qu'on nous attaque pour être sûr que c'est pas un mort vivant qu'on tue. On dirait que t'as fait une erreur. Elle risque fort de te coûter la vie. Déjà, tu vas descendre de ta bestiole. Non, tu vas te calmer. Tu ne peux
Insensible aux exécutions. Pas chiant le garçon. Attendez, c'est se passe quoi avec ces... C'est il se passe rien. C'est de l'arnaque. Alors ça fait mal hein, ça mon gros hein. Ah, regardez, premier soldat niveau 40, recruté, il est venu à moi, petite embuscade, voilà, je vous annonce, l'armée là, l'armée elle va être très qualitative. Alors comme ça marche plus en effet, ce que l'on va faire c'est que l'on va pexer, merde, son exécution. Raté. Voilà, ça passe, même comme ça. Recruter. Voilà. Moralité. On a déjà 3 persos, dont 2 level 40. Donc moi je dis déjà, rien que sur cette base là, on est plutôt pas mal. Mais on va pas s'arrêter là. On enchaîne. Salut mon gars. Je savais pas si ça allait quand même le faire ou pas. Bon bah on s'en branle. Ah, anti-saut. Intéressant ça. Non, là c'est chiant. Ça n'a pas été easy là de retourner un commandant là. Alors la petite attaque furtive toujours. Merde. Vigilant face à la furtivité, même pas drôle. Le mec, il y a des... le vert qui a des informations. Non, au secours! Au secours! Il attaque mon chef, mais il doit pas me prendre moi! Et là, t'as le chef, mais il en a rien à foutre de ta gueule, mon gars. Et voilà. Réglé. Recruté, bien entendu. Ah oui, tu vas être mon élu. Ah oui, oui. Je déverrouille au niveau 45. Pas de soucis. On attaque. Là, on est comme ça. Pour le Seigneur des Morts!
Pour le Nazgûl Talion. Pour le Mordor. Oh, je suis badass. Putain, il est badass hein, quand même en Nazgûl. Hein. Lui, il va faire le malin. À dépérir, et je me disais, quand est-ce que le pont rose va se décider à en découdre avec moi? Allez, viens de battre! Les autres forts se contentent de tuer et d'enterrer les prétendus envahisseurs. Ici, on a d'autres méthodes. On mutile, on estropie et on démord. Très joli programme. Ou soyez dévorés par la machine! À la victoire! Crois-tu que tes menaces nous fassent frémir? Non! Chaque mot nous donne plus d'ardeur! Aou! Aou! Chargez! Bon, là par contre, il va falloir faire gaffe parce que le niveau du fort est quand même assez élevé. C'est le bordel! Il y a déjà des EBT, il y a déjà des bugs graphiques! La moitié sont en feu, il y a des archers dans tous les sens. Aïe, mais moi, je m'en prends des flèches. Alors, déjà, on va commencer par... On va essayer, là, déjà, de déblayer un peu les archers. Voilà, les archers, là, a priori, sont morts. Certains, d'autres vont se relever, prendre la place. Salut, mon gars! Oh, putain, j'ai mal enchaîné. Il s'est relevé. Sans que je lui mette le petit coup à terre. Alors, je vais te dire, mon garçon, je pense pas. T'es en repli. D'accord, d'accord. En avant. Une autre fois, rôdeur. Ça va faire mal. Non, non, arrête de bouger. Arrête de bouger. Tu es à moi. Oh, mais je vais vous recruter les uns après les autres pendant le combat. Vous inquiétez pas, tu vas rester pour te battre avec moi. On va prendre le point ensemble. Regarde comme c'est sympathique de prendre le point. Regardez cette fluidité dans le mouvement. Ça, c'est du Sparta énervé. Ça, c'est du Sparta de compète. Ils sont trop mignons, ils essayent de m'attaquer. Allez, on capture le point et on avance. Ah ouais, on est déjà en train de prendre tous les points là. Sérieusement? Oh, c'est marrant ça. Ah bah ouais, là, les champions, ils sont de qualité, hein. Ils ont pas 20 niveaux d'écart avec les autres. Ah bah oui. C'est pas la même. Ah bah oui, c'est beaucoup plus dur pour eux là. Par contre, là-bas, il y a un niveau 33, il est en train de se faire latter les bonbons. Non, c'est bon, je pense que ça s'est bien terminé. Regardez, il y a juste à venir. Hop, on prend le point. Easy. Vous voyez, ah ben c'est sûr, hein. Quand on a les bons champions de qualité, ah ben ça se passe beaucoup mieux. Oh, ils sortent la corde de brume, ils se sentent pas bien, ils appellent des renforts. Et ben alors, il n'y a plus de champions ennemis. Chargez mes petits, chargez, vous arrêtez pas. Attendez, on va ressusciter le poteau à côté. Bah, je veux bien, mais ils étaient pas dans le fort, ceux-là ?
arriver, hein. Toi, viens là. Donne-moi ton âme. Et toi, l'esclave, deviens un de mes sbires. Je la connais, cette salle du trône. C'était chez moi il n'y a pas longtemps. Ça va le redevenir. Bienvenue dans ma salle du trône. Ou disons mieux, ta salle de torture personnelle. Bientôt, tout le monde la connaîtra comme ta tombe. Déjà, on va buter le Karagor, parce que Karagor égale chiant. Stole le Karagor. Oh, il y a des archers. J'aime pas les archers. J'arrive. Roulette Land. Bienvenue dans Roulette Land. Envole-toi, petit oiseau. Et si tu devenais mon archer personnel? Et si toi, tu devenais mon Karagor personnel? Peut-être pas pour longtemps, hein. Peut-être que, c'est sûr, ils vont essayer de te tuer. Mais au moins, pendant quelques instants... Tu auras servi le seigneur Nazgûl Talion de la mort qui tue. Alors, je crois avoir également vu... Hop là! Un petit archer qui va devenir... L'agonie, la souffrance. Oh, pardon, je ne souffre pas. Je fais juste la liste de tout ce qui t'attend dans les prochaines minutes. Agonie, souffrance. Mais j'ai vachement peur, dis donc. Ça, par contre, c'est chiant, je veux dire, pourtant. Aïe. Sur n'importe qui en réalité. Ah ben voilà, c'est une méthode plus simple ça pour gagner. Là, tu vas voir mon gars maintenant. Maintenant que t'as plus de mecs autour de toi, mon garçon, je t'annonce que t'as un sérieux problème. Très énervé, très en colère parce que tu m'as chouré mon fort. Adaptation. Pas grave.
te marquer, mais par contre, je peux te bourriner littéralement le crâne. Hein. On n'allait pas se laisser emmerder. Mais voilà, c'était intense. J'ai essayé de vous faire un petit condensé quand même de tout ce combat qui a été malgré tout assez long. Parce qu'on commence à arriver à un niveau où c'est difficile, tout simplement. Moi, j'ai trouvé ça cool. Il y a quand même de la difficulté dans le jeu, c'est pas super simple. Mais c'est ça aussi qui est plaisant. Donc si ça vous a plu et si vous avez pu découvrir une forteresse qui était quand même d'un bon niveau à affronter, eh bien lâchez un petit pouce bleu, lâchez des coms, lâchez un abo. Et moi, j'ai envie de vous dire, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite de nos épisodes. En attendant, amusez-vous bien et à très bientôt sur Anomar TV. Ciao, ciao tout le monde.